présentation de l'option principale Sports Management. En tant que responsable du module, c'est un plaisir de vous donner des informations concernant cette option. Que d'émotions en admirant des champions comme Odermatt ou d'autres sportifs connus. Mais le management du sport, c'est bien plus que des professionnels et des stars dans des sports fortement médiatisés qui font rêver des fans. Le management du sport regroupe l'ensemble des activités qui permettent de gérer une organisation active dans le domaine du sport. Et ce domaine, appelé aussi le sport business, englobe une variété de disciplines et de domaines d'activité que vous pouvez voir ici sur cette slide. Le sport est un domaine très vaste. Il se pratique partout dans le monde et comporte de nombreux sports et disciplines différentes. Il s'adresse à toutes et tous, des débutants aux professionnels en passant par les amateurs. La pratique du sport n'a pas que pour objectif la compétition ou la recherche de performance, mais permet de se détendre, d'améliorer sa santé ou son bien-être physique et mental. L'encouragement du sport au sein de la population est donc également un enjeu de société qui nécessite des compétences et des ressources. Le marathon de New York s'adresse aux élites, mais aussi aux personnes désirant vivre une expérience. Les grands événements sportifs attirent des personnes du monde entier qui voyagent pour la pratique de leur sport ou en tant que spectateurs, ce qui démontre que le sport est fortement lié au tourisme. Les activités sportives génèrent de nombreux voyages et nuitées, et les événements sportifs ont un impact important. Le sport peut être considéré comme une activité économique et sociale importante et offre des postes de travail divers et variés. Ces activités sont non sans conséquences sur l'environnement et de nombreux défis sont à relever pour que la pratique des sports de plein air puisse continuer. Les enjeux climatiques nécessitent d'avoir des compétences en durabilité afin que les générations futures puissent continuer à pratiquer des activités sportives en montagne, dans des panoramas à couper le souffle ou sur des pentes enneigées. L'objectif principal de cette option est de vous permettre d'approfondir vos connaissances du monde du sport et des spécificités de son management, ainsi que vous familiariser avec le système et les structures sportives suisses et internationales. L'option comprendra quelques inputs théoriques pour requérir des connaissances précises du domaine d'activité. Cependant, l'accent sera mis sur l'application pratique. À travers des études de cas et des projets concrets, vous mettrez en pratique des compétences spécifiques, mais également les compétences que vous avez déjà acquises durant les semestres précédents. Des collaborations avec des partenaires du monde du sport vous permettront de vous familiariser avec ce domaine et de vous permettre de connaître les opportunités qui s'offrent à vous. Plus concrètement, nous aborderons les thématiques comme le système, la gouvernance et le financement du sport en Suisse et à l'international, le marketing et le sponsoring sportif, les nouvelles technologies spécifiques au domaine du sport, les sciences du sport, les activités physiques ou les sports. All the students of the Sports Management course will participate to the Sport Innovation Challenge. But what it is? The Sport Innovation Challenge is organized jointly by ThinkSport and Swiss University Sport in partnership with a well-known sport organization. The 2022 challenge was organized in collaboration with the Freeride World Tour and the 2023 with Swiss Olympic. The goal of the challenge is to give the opportunity to sport management students from different universities to work on solutions addressing questions from a sport organization. The best team from each school is invited to the final to present its solution in front of a jury. The challenge is really a chance to meet people from the sport industry and develop your network. As this activity is held in English, students subscribing for the option need to be able to understand, work and present in English. J'ai la chance de coordonner cette option. Néanmoins, en sport, seul, on ne va pas loin. Ainsi, je peux compter sur une équipe de collègues et de partenaires provenant de différentes hautes écoles ou institutions sportives. Da wir auch Partnerschaften mit anderen Schweizer Hochschulen haben und da im Schweizer Sport Deutsch auch wichtig ist, werden einige Referate auf Deutsch sein. Wir verlangen von den Studierenden, dass sie also Präsentationen in Deutsch folgen und verstehen können. Die Gruppenarbeit und die anderen Aktivitäten sind meistens zwei- oder dreisprachig und die Studierenden können sich in ihrer Muttersprache ausdrücken. Die Liste der Intervenenten ist noch nicht fest, jedoch versuchen wir immer Spezialisten zu haben, die ihnen vertiefte Einblicke in ihrem Sportbereich bringen können. Hier also nur ein paar Beispiele von Partnern, die involviert sein können. L'option est enseignée principalement en français, néanmoins certaines présentations seront en allemand ou en anglais. Il faut donc avoir les compétences linguistiques nécessaires. La mise en pratique des compétences est un point important. C'est pourquoi les étudiants travailleront sur des projets concrets. Voici quelques exemples d'entreprises pour lesquelles les étudiants ont réalisé des mandats ces dernières années. Les types d'entreprises et les types de projets sont variés et discutés avec les étudiants qui peuvent eux-mêmes proposer des projets.
Comme déjà évoqué, le sport est vaste et ainsi les opportunités de carrière aussi. L'option prépare les étudiants au mieux pour y accéder. Voici quelques exemples de diplômés travaillant actuellement dans le domaine du sport. Notons que les profils de bachelor en tourisme et en économie de l'entreprise sont recherchés dans de nombreux secteurs liés au sport. Pas besoin d'être sportif, mais si vous êtes intéressé à embrasser une carrière dans le sport ou approfondir vos compétences dans le domaine lié au sport, cette option est pour vous. Nous espérons vous retrouver nombreux au départ de cette option afin de collaborer dans le respect des valeurs olympiques, à savoir l'excellence, le respect et l'amitié. Ready to start?